C'est terrible, il attend un appel d'une mystérieuse Saena, une fille arrivée du Chili, qui vient passer 3 jours à Perpignan, qui doit lui donner rendez-vous. Oh, attends, c'est terrible. Il reçoit, ça s'appelle mystérieux, hein. D'accord. Et Emilio sait très peu de choses sur Saena, elle est chilienne. Il sait très peu de choses sur elle, bien sûr. Elle vient passer 3 jours à Perpignan. Pourquoi elle vient à Perpignan? Dans l'atelier avec elle, ben, elle nous aide beaucoup, elle est toujours là. Elle nous corrige, elle nous donne des idées. Au début, quand elle m'a dit que ça allait pas, non, je m'en étais pas rendu compte. Pour moi, ça allait. Les phrases, elles fonctionnent pas des fois parce que ça n'a pas de sens avec le reste. Donc, elle est modifiée pour les mettre avec la suite du texte. Alors, vous avez donné un titre? C'est bien ça. Ah, un titre anglais, Beyond Our Differences. Alors curieusement, beaucoup de noms sont sortis en anglais, hein, même ce matin vous verrez en S. Il y en a un qui a intitulé son essai Into the Bartas, le buisson. C'est de l'anglo-sévenol. Les idées, au début on n'en a pas. Et donc c'est difficile parce qu'on n'a jamais écrit, on ne sait pas si ça va être bon, on a peur de que ça aille pas. Donc au début c'est dur. C'est ça qui bloque le regard du lecteur. On est tous pareils face à un texte, il y a toujours un commencement et tout texte est un commencement. Et donc on est toujours aussi dénué, nu face à un texte. Écrire pour écrire est facile, c'est quelque chose de très facile. Et après, relier des idées, essayer que ça prenne une forme, que ça plaise aux gens. Essayer de faire rentrer le lecteur dans l'histoire, essayer de le faire partager les émotions du personnage, c'est quelque chose de dur.